Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo exposition sur l'exposition organisée par le Peuple de l'Ombre à Waterloo. Donc très bonne exposition que j'ai fait l'an dernier en tant qu'exposant, donc avec un stand de 6 mètres et les tortues avec moi. Donc j'avais été très bien accueilli, très bonne organisation, le stand était gratuit, les visiteurs pouvaient rentrer gratuitement également. Il y avait beaucoup de monde, donc c'était vraiment sympa. Donc la seule chose qui me manquait comparé à l'an dernier, c'est d'être avec mes amis, donc Nat et Sylvain qui seront présents cette année. Donc ça va faire un peu plus de bien, mais voilà, après j'étais quand même bien amusé l'an dernier, j'avais quand même rencontré des personnes vraiment sympas et que je vais redécouvrir encore cette année. Donc une expo vraiment sympa, espérons que cette année soit pareil et qu'on ait du soleil, ce serait pratique. Parce que bon, malheureusement pour nous, le soleil n'était pas vraiment au rendez-vous de mémoire l'année dernière. Donc espérons. Après, bon, pour tous ceux qui cherchent des animaux spécifiques dans ce type d'expo, vous n'en trouverez pas. Après, il faut y aller juste pour essayer d'apprendre un peu plus sur les insectes. Moi, l'an dernier, j'avais appris sur les fourmis. Donc c'était pas une espèce que je voulais spécialement, c'était pas mon trip de détention, mais on peut toujours en apprendre de partout, donc autant apprendre là. L'an dernier j'avais aussi rencontré Manon et Maxence de Gecko & Inc, qui sont vraiment sympas. Bon, je les avais pas vus le jour de l'installation, j'avais vu que le lendemain, mais voilà, on avait bien rigolé, on avait passé un bon moment, donc espérons que ce soit encore le cas là. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc voilà, si vous voulez vous déplacer pour découvrir, même pour vous balader juste un week-end, hein, c'est l'idéal. Hein. Là-bas, Waterloo, c'est à 2h40 de Paris, donc c'est vraiment pas si loin que ça. Hein, quand on fait quasiment autant quand on va à Arras. Hein. Donc voilà, après, rien ne vous empêche d'aller faire un petit de passer sur l'expo, d'aller en Belgique derrière, au Poisson d'Or aussi également. Hein, ça fait une bonne balade pour un week-end. Hein. Donc voilà, après, non, c'est franchement sympa. Donc j'espère que cette année, ça sera pareil. Donc bah là je suis encore sur la route pour aller m'installer, donc bah on va aller s'installer et puis on se voit tout à l'heure donc pour une petite conclusion après que vous ayez pu voir les images de l'événement. À tout à l'heure. Donc voici donc pour la suite donc de cette vidéo, juste après l'événement, donc très peu d'images de là-bas, pas du stand à stand comme je fais régulièrement, parce que bon, je suis tout seul pour garder un stand qui devait faire 6 mètres, qu'on a fait 8. Donc voilà, c'est pas évident pour moi de tout gérer, de surveiller les animaux, de filmer partout, surveiller les objets que je vends également. Donc bon, vous en verrez plus sur d'autres chaînes YouTube, je pense. Peut-être avec Stan Reptile qui a filmé un petit peu partout l'événement. Vous retrouvez également, normalement, si tout s'est bien passé avec le son, une interview de ma part sur sa chaîne également, que je partagerai via la page Facebook. Hein, donc vous inquiétez pas, si quelque chose, vous ne le louperez pas. Donc voilà, donc vous en verrez plus. J'espère que ce que vous avez vu déjà de loin peut vous montrer que c'était pas un tout petit truc, un tout petit événement local. Hein, ils ont quand même fait, alors d'après les premières estimations, environ 4600 personnes cette année. J'ai demandé le chiffre de l'année dernière, ils étaient à 5500. Donc ça a un peu baissé, mais ils ont changé de lieu l'année dernière. Et souvent quand on change d'un lieu, il y a un pic d'activité qui remonte en fait. Et c'est dû parce que beaucoup de personnes pensent que c'est une nouvelle bourse et ils veulent voir ce que ça donne. C'est la curiosité en fait. Et après certains ne reviennent pas, voilà. Faut dire ce qu'il y a, 4006, c'est un très très bon score. Franchement, ils n'ont rien à envier à d'autres bourses. Alors là, c'est pas vraiment une bourse non plus, hein. Faut dire que c'était une exposition. Donc pour une exposition, c'est vraiment pas mal. Il y a eu des ventes hein, quand même de matos, d'animaux, machin. Mais c'est le but est pédagogique avant tout. Et pour ça, ils aiment bien des stands un peu comme le mien.
Et moi j'aime bien une expo comme la leur. Donc on a tout pour s'entendre. Et d'ailleurs au passage je passe un petit appel on va dire pour l'année prochaine. Si vous êtes éleveur amateur, que votre passion vous voulez la faire découvrir à tous, que vous voulez justement expliquer un peu le fonctionnement de vos animaux, d'un terrarium, machin, faire de l'information, voire vendre accessoirement quelques repros d'espèces non soumises bien sûr. N'hésitez pas à leur faire la demande ou même à me demander à moi ce que je vous envoie une copie ou que je vous renvoie vers l'association. Alors pour ceux qui veulent y passer en direct, l'association c'est Le Peuple de l'Ombre. Donc bon, c'est un très bon nom d'association, malheureusement il mérite d'être plus mis dans la lumière parce que franchement la qualité d'accueil qu'ils ont pour les exposants est magnifique. On ne paye pas le stand, les visiteurs ne payent pas l'entrée. C'est très peu d'expos peuvent se le permettre. Ils offrent le repas entre exposants du vendredi, du samedi soir, du dimanche midi. Et là, avec Nat de Tortue Mania, on a le droit aussi au repas du dimanche soir. Donc on a été vraiment, vraiment gâtés. Et ce n'est pas des bons repas, c'est pas des petits repas style sandwich ou snack hein, pour les exposants. C'est vraiment buffet froid avec des petites salades composées et tout. Buffet maison, machin, il n'y a pas à dire. Franchement, c'était excellent. Donc une belle organisation, franchement un beau 10 sur 10 en organisation, il n'y a pas photo. On a accueilli à bras ouverts et puis ils sont vachement arrangeants, surtout, surtout avec le propriétaire de la salle, enfin le gérant de la salle, donc Tintin, notre fidèle Tintin, fidèle au rendez-vous. Donc qui franchement est là pour nous aider avec du matériel et tout. Moi il m'a passé de quoi ouvrir les robinets pour les tuyaux comme l'année dernière, donc franchement non, c'est super. Une super organisation au top, même si bon au niveau vente j'ai pas rentabilisé le stand, j'ai pas rentabilisé mon voyage, c'est pas grave. Pour moi c'est pas le plus important. Le plus important c'est que voilà, c'est qu'il y a eu du visiteur, qu'il y a eu des personnes qui ont pu avoir des conseils, des astuces au niveau des tortues, voire même du gécoléopard, parce qu'on en demande quand même pas mal maintenant qu'il y en a sur le stand. Donc c'est voilà, c'est mon domaine, c'est ce que j'aime faire et voilà, après si je peux faire en sorte que sur les conseils que je donne, une tortue vive mieux derrière et puisse survivre à un calvaire qu'elle a déjà sans que la personne qui la possède ne s'en rende compte, c'est des points de gagner pour moi. Voilà, c'est plus des tortues iront mieux, peut-être que le commerce en baissera tout simplement, parce qu'elles vivront plus longtemps. Donc c'est un bon point et puis ça permet de sauver des vies en prévention. Voilà. Après sauver des vies, il y a les sauvetages pour ça et j'en ai déjà fait 4 cette année, enfin 4 en 2016. Aucun prévu en 2017 pour le moment. Après parce que j'ai pas forcément les moyens de le faire pour le moment. Les installations, j'ai les connaissances, mais voilà, il faut que ça suive derrière. Et à savoir que bah, les sauvetages, je n'ai pas de don de personne, je ne suis pas une association. Donc je ne demande moi-même pas de don pour être aidé. Je fais tout ça sur mon argent propre, donc voilà. Je travaille, fais beaucoup d'heures supplémentaires pour ça. Donc voilà, si je fais l'occasion d'en refaire, c'est une aventure qui est bonne à vivre. On passe par des moments difficiles lors d'un sauvetage, mais c'est jouable. Donc voilà. Donc après au niveau du stand, ça a plutôt bien fonctionné. Hein. Donc beaucoup de monde, bien sûr, pas trop de ventes. Un petit peu, mais pas de gécoléopard. Les gécoléopards se vendaient sur les autres stands, mais pas sur le mien. Je dois voir la poisse. Mais voilà, donc bon, je suis pas mécontent de rentrer avec aussi. Surtout que j'en ai une des deux qui s'est fait une petite mue peinard devant tout le monde le dimanche matin à l'ouverture de l'expo. Et la deuxième, elle s'est pris le luxe de mordre un des visiteurs. Elle voulait goûter, hein, le visiteur ça doit être très bon. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, déjà, le visiteur va très bien, hein, il a été emmené aux urgences, ils ont coupé le bras, il s'en sort. non, il va très bien, il a même pas senti la morsure, ça l'a plus fait rigoler, il a plus trouvé sa choue qu'autre chose. Donc, ouf pour moi, j'évite un procès. Donc, sinon, voilà, en fait, il est passé sur les insectes comestibles avant et malheureusement, elle a senti l'insecte. Hein, et puis, bah, comme ils n'ont pas mangé depuis jeudi soir, je pense que même vous qui regardez cette vidéo, vous l'auriez fait. Donc voilà, donc non, c'est voilà, je préfère que ce soit une gécoléopard qui le morde plutôt qu'une des tortues qui ça ferait beaucoup plus mal. Au niveau tortue d'ailleurs, bon, elles ont passé vraiment une super journée. Elles ont assuré comme à leur habitude. Bon, elles n'ont pas besoin de faire grand chose, mais il faut le faire quand même. Donc elles se montrent un petit peu. Quand il y a les enfants, Franklin allait les voir. Il n'a pas trop stressé. J'étais plutôt fier de lui comparé à Stargell et Le Mans où il a passé les deux jours à flotter autour de sa plage. Bon, après, c'était un peu spécial aussi ce week-end-là. Mais là, voilà,
il a été les voir un petit peu, il était bien sous l'eau, il a fait quelques photos. Chapeau a fait quelques photos également, un peu plus stressé, mais bon, ça va, il s'y est fait rapidement. Sammy et Turtle, qu'on joue au Star aussi, ils ont beaucoup été montrés. Alors, je ne fais pas manipuler mes tortues, parce que pour plusieurs raisons, déjà parce que bon, toutes les régions d'hygiène principalement, donc je préfère pas. Et en plus, voilà, moi, ils me connaissent, donc moi, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un par exemple venait à toucher la tête et à mettre le doigt et qu'elle morde, ça ferait plus mal que le gécoléopard et ça je veux pas. Je veux pas que ça tourne comme ça, qu'on me voit comme l'éleveur qui fait mordre le public et que ça fait plaisir quoi. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu voilà, c'est que c'est de l'info, c'est que les gens puissent voir la différence entre une tortue juvénile et une tortue adulte. Parce que quand c'est juvénile c'est bien, c'est mignon, on fait un petit truc, on fait un petit aquarium machin. Mais quand c'est adulte, il faut de sacrées installations. Et ça, les gens n'en prennent pas forcément conscience. Et parfois, bah, dans certaines situations, il faut comme dire choquer pour informer. Moi, je choque par la taille des tortues. Tout simplement. C'est pas du choquant non plus hardcore, mais voilà. Ça marque les esprits et c'est pas mal. Autre point positif de cette bourse, c'est qu'il y a eu moins de conseils à donner sur les trachémis. Et ça me fait plaisir. Non pas que ce que j'ai donné comme conseil l'année d'avant a porté ses fruits, hein, loin de là. Hein. Je suis pas l'homme qui repousse les trachémis hors de France. Voilà, c'est que ça veut dire que peut-être moins en ont acheté ou peut-être moins de visiteurs en ont pris. Donc beaucoup de demandes sur quelques demandes sur la Morimis, Sinensis et sur les tortues que j'avais. Il y a quand même quelques demandes, des curieux qui demandaient quand même pas mal d'infos. Ça fait plaisir aussi. Parce que bon, des gens qui viennent juste voir et qui disent ouais Berk et qui se cassent, c'est pas terrible. Des gens qui regardent mais qui s'arrêtent pas, c'est pas terrible non plus. On est quand même là pour faire plaisir aux gens. Voilà. Bon, tous les visiteurs ne sont pas comme ça. Certains s'arrêtent, posent des questions, sont curieux. C'est parfait, c'est ce qu'on cherche quand on expose dans ce style-là. On cherche à informer les gens et les informer, bah, c'est les faire s'arrêter. Voilà, les faire s'arrêter sur le stand. Par tous les moyens, pas forcément pour leur vendre, mais juste les informer s'ils en ont besoin ou voilà. Au niveau gécoléopard, donc bon, ça s'est bien passé aussi. Hein, ils en avaient plein les pattes, les tortues, on avait d'ailleurs aussi plein les carapaces, donc voilà, elles sont contentes de rentrer là, elles sont à côté, donc voilà. Elles vont être contentes de retrouver leur bassin, de retrouver leur petite femelle pour les mâles, et puis le couple de retrouver sa petite maison, donc voilà. Après, niveau de l'hôtel que j'ai pris. Alors, je vous déconseille le Lemon Hotel. Pourquoi ? Pourquoi ? Très bonne question. La première chose, WC douche à l'extérieur de la chambre, moi personnellement, je kiffe pas. Après, ça fait moins cher la chambre, c'est clair, mais moi, je suis pas fan. Ensuite, quand on arrive à l'hôtel et que pour prendre sa clé à 16h et que pendant 10 minutes, il n'y a personne et qu'on a des animaux dans la voiture, c'est pas terrible. Donc, je suis resté 10 minutes, j'ai vu que personne était au comptoir, personne venait, je suis parti. J'ai décidé d'aller installer les animaux parce que c'est eux ma priorité. Après, je suis revenu sur les coups de 20h. Alors, je reviens sur les coups de. Même pas 19h30, je suis parti de la salle. Donc, vers 19h40, j'étais là-bas. Il y avait une grosse engueulade parce qu'il y a un Intermarché à côté. Et la gérante de l'Intermarché était venue engueuler les responsables de l'hôtel parce que des poids lourds étaient garés trop près de sa station essence. Donc, c'est parti par là. Et elle a lâché une info. Assez sympathique sur ce qui s'est passé la semaine dernière dans l'hôtel, c'est qu'il y a eu tout simplement du trafic d'armes, d'après ses dires. Donc ça, quand on n'a pas encore pris sa clé d'hôtel, on a juste envie de dire, ah ben non, en fin de compte, je vais ailleurs. Bon, après, moi, je suis joueur, hein, j'ai quand même pris ma chambre. Donc on aurait pu se dire, ça s'arrête là. Mais non, j'arrive à la chambre, j'entre dans la chambre, peinard, un groupe qui arrive, du bordel, on entend les portes qui claquent, les murs sont fins, enfin bon, c'est. J'ai très mal dormi avec le décalage horaire, ça m'a pas aidé. Donc je vous le déconseille, prenez plutôt en première classe, un petit peu plus loin, mais un petit peu plus cher, mais vous y serez peut-être largement mieux. Voilà, donc ça c'était mon petit coup de gueule de l'expo. Donc voilà, rien de bien méchant. Après, donc je voulais revenir surtout sur les exposants. Donc il y a plusieurs types d'exposants quand même. Alors je sais pas si j'en avais déjà parlé, parce que bon, c'est un peu un monde dont je parle peut-être souvent, donc je sais plus si j'avais fait une vidéo dessus. Alors les exposants, il y a un peu de tout. Il y en a qui viennent faire du fric. Faut pas se mentir, ils ont une société, il faut qu'elle tourne. Voilà. Alors une société en tant que société avec plusieurs employés. Hein. Il y en a qui ont sont auto-entrepreneurs, comme Pelette, Nat et Sylvain, donc Tortumania et Onios Concept. Eux, c'est aussi de la passion. Alors quelle est la différence ? Auto-entrepreneurs, ils sont tout seuls forcément. Ce n'est pas leur premier travail, c'est un peu un deuxième job.
Mais le but n'est pas de faire du bénéfice. Le but, c'est de rentrer dans les frais, quoi. De rentrer dans leurs frais. Après, s'il y a du bénéfice, ils vont pas cracher dessus. C'est normal, ça reste une société à faire tourner aussi. Hein. Ça leur permet de, plus tard, vous représenter des nouvelles choses qui pourraient peut-être vous intéresser. N'hésitez pas à leur dire, tiens, j'aimerais tel type de matériel ou j'aimerais tel type de peluche qui serait sympa. Voilà. Ça, ils vont les écouter et ils vont faire en sorte de justement de vous trouver ça pour l'avenir. Voilà, plus on aura de demandes comme ça et plus ça va permettre de se réorienter et de vous faire plaisir derrière. C'est leur but. Voilà. Après, il y a un autre type d'exposant, c'est les éleveurs. Il y a des éleveurs professionnels, hein. Eux, ils ont des sociétés, il faut que ça tourne aussi. Hein. Voilà, il ne faut pas se leurrer non plus. Après, il y a les éleveurs amateurs, dont je fais partie hein, aussi. Hein, parce que j'expose pas que de l'info, je fais aussi de l'élevage. Alors, en tortue, même si j'ai pas de repro, je suis quand même un éleveur parce que je maintiens quand même plusieurs couples. Et le but, c'est de faire de la repro. Donc, pour les éleveurs amateurs, leur but n'est pas le fric non plus. Ils ont élevé une bête, ils l'ont fait grandir, ils l'ont suivi, ils l'ont démarré. C'est quand même du boulot. Donc, s'ils vendent, ils peuvent même discuter un peu sur les prix. Ils seront plus forcément plus bas aussi que les vendeurs professionnels. Donc, c'est pas de l'import, c'est de l'élevage pur. Et là, il faut les appuyer un peu, j'ai envie de dire, pas forcément acheter que chez eux, mais si la bête est pas top, ne pas forcément apprendre parce que c'est un éleveur amateur, hein, faut pas se tromper. Mais voilà, vous aurez plus de chances d'avoir une bête en bonne santé et avec un bon suivi. Notamment, moi chez Mégéco Léopard, vous avez clé USB directement avec les photos, les vidéos de l'animal depuis sa naissance. Un dossier complet papier, donc avec les fiches généalogiques des parents, de leur provenance également, du numéro de code de provenance également, suivant les élevages. Après, vous avez une fiche d'adoption également avec la reprise du poids et taille et tout. Une fiche de suivi total avec toutes les pesées mesurages depuis sa naissance, visite médicale, les serfats de session obligatoires, fiche maintien obligatoire maintenant. Donc, tout le monde ne fait pas forcément comme moi parce que bon, moi je suis assez perfectionniste on va dire à ce niveau là. Mais voilà, après vous avez un meilleur suivi, l'animal dès qu'il y a un problème, paf, vous pouvez contacter l'éleveur, il vous dira, il vous donnera des infos, machin. Donc, il y a plus de sécurité à ce niveau là. Après, c'est clair qu'acheter dans les grandes enseignes, c'est une grande enseigne, c'est des professionnels. Ouais, mais c'est de l'import. Beaucoup, c'est de l'import. Voilà. Après, bon, je critique pas forcément les grandes boîtes et tout. Hein. Faut de tout pour faire un monde aussi. Hein. Il peut y avoir des bêtes géniales aussi hein, et en bonne santé. Hein. Faut pas dire n'importe quoi non plus. Hein. Mais voilà. Après, moi, c'est mon point de vue. Les éleveurs amateurs, je les fais passer en premier. Donc, voilà. Donc après, même si vous souhaitez plus tard faire des repros exposés, n'hésitez pas, hein. Il y a certains départements où vous n'êtes pas obligé d'être capacitaire pour exposer. Je ne suis pas capacitaire, j'expose des animaux quand même, à la vente et à l'exposition seulement. Donc, voilà, n'hésitez pas, faites de l'info. C'est en montrant du bon de l'intérieurophilie qu'on arrivera à avancer. Parce que même si ça parle de serpents, de tortues, de lézards, machin, voilà, il faut se défendre entre nous et être soudés. Et face aux attaques notamment qu'on reçoit de certaines associations. Et d'ailleurs, là, je vais revenir sur deux petites attaques qu'on s'est prises ces derniers temps. La première, c'est à Bellerive-sur-Allier, une association qui s'est présentée, qui a fait le tour de la bourse, sans dire qu'ils étaient là, sans dire que pourquoi ils étaient là, compris des photos des stands, qui ont été contents et tout, et qui ont reproché après, sur une page Facebook, qu'on mettait des animaux dans des boîtes, que c'était inadmissible, machin, qu'on les élevait comme ça. C'était un peu la manière de dire. Sauf que nous n'élevons pas nos animaux dans des boîtes, c'est dans des terrariums, c'est juste de la présentation pour une exposition. Il faut faire la différence entre ce qu'on fait pour l'animal chez soi et une expo. Une expo, c'est clair qu'on va ramener un terrain de 150, 50, si je ramenais un bassin de 150, 50, 60 juste pour une journée, à le remplir, à le vider, machin, non, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est pour ça. Après, moi personnellement, je suis contre les boîtes en plastique souple. Je préfère les bras plats. Après, c'est chacun son éthique là-dessus. Hein. On peut pas, voilà, enfin éthique ou pas. Après, les boîtes plastiques sont bien aussi. Hein. Moi après, je trouve que ça fait moins pro, mais c'est chacun son point de vue là-dessus sur la question aussi. Hein. Tous les goûts, les couleurs sont là. Mais voilà. Et après, c'est plus ça qu'ils voulaient faire. Enfin, que cette association voulait faire, c'était plus dire voilà, ils devraient vendre un peu plus, pas dans les boîtes plastiques machin. Moi, savoir que les miennes, mais j'ai collé au par, étaient dans un présentoir prévu, elles avaient une petite gamelle d'eau, voilà, elles étaient tranquilles, un petit tapis chauffant, il n'y avait rien à dire quoi, là-dessus on était bien. Mais c'est pour ça d'ailleurs que cette association n'a pas mis de photos de mon stand, bizarrement, dans leur attaque. Ils attaquaient certains éleveurs,
Notamment, j'ai pu voir des photos de Reptile Box, qui est d'où viennent mes trois femelles gecko léopard, dont la mère des petits que j'ai. Et franchement, et oui, il les a vendues dans des boîtes. Oui, bah oui, mais il les a fait que les vendre. C'est juste le jour de la vente. Après, chez soi, ils retournent carrément soit en rack, soit en terrain, et il n'y a pas de problème. Voilà. Après, le rack, s'il est spacieux, il n'y a pas de problème aussi. Moi, j'ai un rack à la maison, pas encore utilisé, mais c'est un rack prévu pour Python Régus à la base. Il va servir pour du gecko léopard, ils auront largement plus de la place que ce qu'il en faut. Donc voilà, après on peut avoir des règles très bien et des terrains très bien. C'est toujours le débat éternel aussi là-dessus. Donc voilà, donc cette association pour moi elle est zéro. Elle a tout faux, elle aurait dû essayer de discuter. Alors moi, à savoir que dans ce week-end-là, une dame est venue me parler avec moi. Et c'est simple, quand elle m'a dit que les animaux comme ça étaient mieux d'être lâchés, quand je lui ai dit que les gecko léopards que j'avais ce jour-là n'étaient pas n'était pas du naturel, on va dire, c'était pas la forme classique, et que si je la lâchais dans la nature, ça aurait carrément détruit la génétique de la nature déjà, et en plus voilà, c'est des animaux qui ont connu que la captivité, donc si on les relâche dehors, ils vont pas réussir à se nourrir, ils vont pas réussir à chasser, peut-être qu'ils vont réussir au bout, mais peut-être qu'ils vont pas réussir non plus, donc voilà, c'est l'argument à deux sesterces, ce qui est pas terrible quoi. Donc voilà, après moi, si je fais de l'élevage principalement, c'est dans le but d'essayer de limiter le farming. Pourquoi ? Parce que le farming, quand on fait venir 1000 bébés par an des espèces que je fais africaines en provenance du Togo, et qu'il y en a certaines qui sont vendues comme ça à des personnes qui connaissent rien, ou qu'au pire ils décèdent, parce que ça en formation j'en ai vu quand même, alors je dirais pas que j'ai fait mes formations, parce que c'est pas le but du jeu non plus d'accabler cette société qui fait pas forcément du mal, hein. Des pertes ça arrive, hein. Voilà. Donc après voilà, si je peux, on peut limiter le farming, si on peut limiter le prélevé et se faire nous-mêmes un circuit de NC, peut-être un circuit de Made in France, hein, en fait tout simplement. Hein. Certains des animaux spécifiques qu'on ne voit pas forcément en terrario, n'hésitez pas à faire de la repro, à les sortir, s'il n'y a pas besoin de CDC pour les vendre, profitez, les bourses sont là pour ça, les expos aussi. C'est bien de renouveler un peu les exposants. C'est bien un peu, parce que souvent les personnes dans certains temps ne se déplacent plus. Parce que pourquoi se déplacer d'un week-end sur l'autre pour voir les mêmes exposants qui présentent les mêmes bêtes ou le même matos? Il n'y a pas d'intérêt. C'est logique que les fréquentations des bourses de 2015 et de 2016 aient baissé. C'est normal, on proposait la même chose. Donc voilà, il faut savoir se renouveler les éleveurs et montrer de nouvelles choses. Donc si vous avez dans votre cheptel des serpents ou des lézards ou même des tortues qui sont différentes, que vous voulez les montrer, N'hésitez pas, foncez, hein. La meilleure chose que je puisse vous souhaiter, de foncer et de réussir. Même si ça me coule, moi, ça ne me dérangera pas. Ça va me faire chier, oui, mais voilà, c'est que vous aurez fait mieux que moi, et c'est ce que tout le monde que je peux souhaiter aux gens. Voilà. Donc après, pour la deuxième petite affaire qui nous est arrivée sur le coin de la tronche, on va dire ça comme ça, c'est sorti, je crois, la semaine dernière ou il y a deux semaines, donc vraiment très récent. Donc c'est à propos des annonces de Bon Coin, de chats, où les propriétaires de serpents seraient en train de scruter pour les acheter, machin. Alors ça, c'est une histoire qui est vieille comme le monde. On va dire ça comme ça. Depuis que je suis en terrario, même si j'avais que les tortues, j'ai toujours vu cette connerie. Alors au début, j'avais pas de serpents, j'y connaissais rien en serpents. Donc je peux pas dire, est-ce que c'était vraiment beaucoup qui le faisaient ou pas. Maintenant que j'ai plus de connaissances, je peux me permettre de le dire. Il faut arrêter le délire, hein. C'est faut arrêter de fumer un jour et puis se remettre un peu en question, parce que ça peut arriver, oui, des crétins le font, pas des terrariophiles, des crétins, faut bien appeler ça comme faut l'appeler. C'est des personnes qui soit cherchent le bad buzz et des millions de vues sur YouTube parce qu'ils pensent qu'ils vont le faire comme des abrutis, soit ils veulent se rendre intéressant avec leurs potes, parce que ça on peut pas le nier, il y en a, ils ont pas toutes les lumières allumées, hein. Donc voilà, et donc ils font ça. C'est une minorité de crétins qui font passer une majorité de terrariophiles pour des cons. Et alors je sais pas si c'est une association ou juste une page Facebook de défense des animaux, mais ils font passer la majorité des terrariophiles pour la minorité de crétins. Et ça, c'est très très malsain. C'est très très malsain parce que c'est pas la vérité, surtout que la plupart des vidéos qu'on peut voir sont pas forcément tournées en France. Il y avait une vidéo d'un chiot qui tournait attaqué par un très gros serpent. Cette vidéo est asiatique.
si l'Asie est en France, il faudra m'expliquer où c'est. Voilà, donc ça fait un peu comme avec la politique, quoi. On prend une vidéo d'un autre coin, on la fait passer pour un fait qui vient de se produire et on fait un buzz. Et ça déchaîne tout le monde, et voilà. Surtout que déjà qu'on n'est pas forcément très aimé en Ontario parce qu'on donne des souris à manger à des serpents. Mais après, voilà, faut réfléchir un peu deux minutes. Il y a une chaîne alimentaire, elle est faite comme ça. Le serpent, il va pas manger des fleurs parce que vous voulez qu'il mange des fleurs. Voilà, donc c'est son régime alimentaire, c'est ça. Ça me fait penser un peu comme aux requins à La Réunion. Les surfeurs qui veulent abattre les requins parce que les requins les bouffent. Bah ouais, mais les requins, ils étaient bien là avant nous, hein, avant qu'on fasse du surf. Hein. Donc voilà, faut savoir cohabiter et point barre. Donc voilà, donc là, donc cette petite attaque de cette page de protection des animaux machin, c'est bidon. Voilà, faut qu'ils se remettent en question. S'ils veulent en discuter, qu'ils viennent leur débourserait-il, qu'ils viennent discuter avec les terrariophiles. Il n'y a pas de souci. Ils leur expliqueront que c'est des conneries, que eux ne le font pas, que voilà. Des crétins le font, oui, mais c'est des crétins à qui malheureusement on a vendu un serpent sans savoir que c'était un crétin. Et ça, c'est difficile de voir qu'une personne va faire ça avant qu'on lui vende le serpent. On peut pas le prédire, malheureusement. Mais bon. Voilà, donc c'était une petite parenthèse là-dessus. Mais en France, voilà, les terrariophiles, les vrais terrariophiles ne guettent pas les annonces de chatons, de chiots, machin. Faut arrêter de dire des conneries, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Et même si c'était le cas, d'un côté, j'ai envie de dire que ça arrangerait bien du monde. Parce que vu les personnes qui font des portées de chatons sans stériliser leurs femelles, qui ne maîtrisent rien, qui font ça pour se faire de la thune et que les chatons grandissent, ils n'arrivent pas à les vendre et qu'ils les foutent dehors, hein, ça, on n'en parle pas non plus. Hein. Enfin bon, ça, c'est le gros coup de gueule. Donc sinon, pour revenir, donc, on va quand même revenir sur la bourse, c'était un peu le but de la vidéo à la base avant que je parte en live. Donc au niveau de la bourse, enfin de l'expo précisément, j'ai pu revoir quand même des amis, donc bah, Sylvain, Nat, les amis habituels, hein, Yann aussi, les organisateurs du Peuple de l'Ombre également, Manon et Maxence de Jekko & Ink, qui ont bien rigolé, c'était bien sympatoche. Voilà, après il y a eu l'ATC02 qui donc organise encore leur bourse, hein, dont je vous avais parlé la dernière fois, donc le 21 mai, c'est une expo bourse en fait, une expo vente. Donc voilà, après bon, voilà, c'était des amis, donc voilà, ça fait plaisir de revoir du monde. Il y avait aussi Lilian du lycée Le Druet et d'Eden Reptile, qui fait Eden Reptile également. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à sa page Facebook avec lui et ses amis. Donc qui font vraiment du bon boulot. Voilà, donc il y a vraiment des gens qui faisaient des bons amis, qui faisaient vraiment du bon boulot, ça fait plaisir à voir. Et c'est vraiment sympa. Là, la prochaine bourse pour moi, ce sera Belleville-le-Comte, oui, j'allais dire Belle-Rive, mais non, c'est Belleville-le-Comte, dans 2 semaines. Alors, je serai accompagné de Tom. Donc, Tom viendra avec des escargots qui ont été réservés chez Snaily Casus, donc Céline. Hein. Donc, si vous voulez des escargots de chez Snaily Casus, réservez-les avant ce week-end pour le week-end prochain, enfin le week-end d'après. Pourquoi ? Parce que Tom se rend au Reptilion avec Céline pour l'exposition et il ramènera après des bébés directement ici pour les réservations. Donc n'hésitez pas à commander les escargots africains, je vous mettrai le lien de sa page dans la description de la vidéo, hein. Comme ça vous pourrez directement la contacter. Voilà, donc comme ça ils seront présents sur le stand, alors pas mis sur la table parce que je ne les ai pas prévus, mais ils seront dispo pour les résas, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Après, je compte aussi lui laisser un petit peu plus d'espace à la bourse d'Arras. Pourquoi ? Parce que elle s'est lancée à Lyon, elle a bien marché. J'aimerais vraiment voir ce qu'elle peut donner à Arras. Je pense qu'elle peut faire vraiment un carton, tout simplement. Pourquoi ? Parce que les escargots africains sont, c'est du tout neuf. Hein. C'est la nouvelle chose à la mode. Et puis voilà. Donc autant qu'elle tente sa chance. Et puis si ça marche, tant mieux pour elle. Hein. Après, elle ne pourra peut-être pas prendre forcément un stand, mais voilà, après, c'est quand même 25 euros le mètre à Arras, plus l'électricité, ça fait cher le kilo, quoi. Pour un particulier, ça fait cher le kilo, parce que Arras, plus bourse professionnelle, c'est pas évident de suivre. Mais bon, donc voilà, donc si vous voulez faire des réservations, contactez-la et au plus vite, et puis voilà, ça sera parfait. Et puis, n'hésitez pas à passer la voir au Reptilion, si vous êtes dans les parages également, hein, tout simplement. Donc voilà.
Donc c'était pour la fin de cette petite vidéo. On se retrouve d'ici 15 jours à Béville-le-Comte si vous passez là-bas. Ou à la prochaine vidéo qui en parlera un peu plus. Les stands seront un peu plus filmés parce que Tom sera avec moi. Donc ça va être plus simple. Soit il gardera le stand et moi je fais un tour, soit il fait un tour et moi je garde le stand. Enfin bon, on s'arrangera là-dessus et on fera une vidéo de meilleure qualité avec plus de contenu et bien plus sympa pour vous. N'hésitez pas donc aussi à guetter la chaîne Stan Reptile pour voir peut-être l'interview de ma part que je lui ai livrée. Donc avec la joie et la bonne humeur bien sûr. Donc voilà, c'est. Alors j'espère que le son est bon, mais bon, n'hésitez pas à zioter quand même. De toute façon, je la repartagerai bien sûr sur la page Facebook. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut !